Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le déballage de la Japan Expo Box de 2017. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas c'est un truc que j'ai hâte. Je suis fan de manga depuis que je suis tout petit et j'attends de voir ce que ça va donner, ça va être top. Tu as hâte? Ciao. Oh putain. Déjà rien que le premier t-shirt. Non, attends, non, non, c'est bon. Il y a un t-shirt. Bon, ça va. C'est un t-shirt manga. Je sens que. Attends, regarde, je pense que c'est souillé qui a la carte. Oui. Je vais taper dans le micro par contre, faire attention. Quel est ce personnage? Je ne sais pas. Bah écoute, moi non. Je ne suis absolument pas manga. En plus, il est en S, donc déjà c'est cool, c'est ma taille. Mais... Oui, parce que j'ai pu choisir la taille et je savais que Kevin. Voilà quoi. Sauf que. C'est le Japon quoi. Qu'est-ce c'est manga. Que c'est? C'est la vie pour Kevin. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors par contre, voilà. Je dis que j'étais fan de manga, mais. Mais celui-là. Mais pas beaucoup de manga en fait. En fait, il est surtout fan de Dragon Ball Z. Dragon Ball, Gun. Gun Last Order. Si vous savez quel est ce personnage, n'hésitez pas à nous le dire. On dirait l'enfance singe. Quoi d'autre? Alors ça. Attendez, parce que le truc. I am a fucking unicorn. Ça c'est le des deux côtés c'est la même chose. Oui, c'est une petite tête. Tu sais ce que disait Freud à propos des licornes ou pas? Non. Est-ce qu'on en parle? Petite parenthèse, donc la Japan Box que nous avons achetée, on n'a pas pu aller à la Japan Expo. Donc du coup, on n'a pas pu l'acheter sur place et on l'a acheté du coup à la Comic Con. La Comic Con, elle n'était pas vendue par Journal du Geek qui habituellement les vend. Elle était vendue sur un autre stand et ils avaient retiré des items dedans. Donc, et ils ont remplacé par d'autres. Donc c'est pas la même en fait. Là c'est exclusif, c'est-à-dire que là pour le coup, elle est, c'est une Japan Expo mais spécial Comic Con. Donc c'est sympa. Parce que après je sais pas ce qu'il y avait dans le jeu. Pas du tout. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut la trouver d'habitude? Bah la Japan Expo. Ok, il y a que là-bas. Il y a que là-bas. Okay. C'était logique. Que là-bas. Mais comme pour la Comic Con qu'on avait déjà présenté, c'est vendu par Journal du Geek habituellement. Donc on le redit, c'est 29,90 tous les deux mois et vous avez une box tous les deux mois. Voilà. C'était la petite promo pour eux parce qu'ils sont sympas. On a un petit. C'est une sorte de porte-clé pour filles. C'est un pixel, je crois. Ouais. On dirait un peu. On dirait. Ouais, c'est un truc Jap. On dirait Sailor Moon. C'est... Ah. Si le gars m'a dit qu'il y avait ça dedans. C'est pas Sailor Moon. Hein, mais... C'est. Tu sais, ils ont plein de trucs comme ça au Japon. C'est des tirettes, ce genre de truc. Ah bah cool. Génial. Ouais. Ok. C'est cool. Alors, c'est sympa. Alors là on a. Oh putain, j'ai vu la suite. Bon, on se concentre. Là, c'est un petit agenda, je pense. Japan Expo. Bloc-notes. Oui. Il y en a deux en plus. Il m'en a rajouté un. Il n'y a rien dedans. Il m'en a rajouté un, normalement. Donc ah, sympa. J'en veux un. Oui, bah prends-en un, vas-y. Ok. Donc, on remonte le deuxième. C'est la même chose. Voilà. Deuxième. Ah, putain. Et là, c'est bon, je craque. Frieza Gold. Et ça, c'est bien Freezer, oui, c'est la forme ultime de Freezer. J'ai toujours trouvé badass, ben voilà. De toute façon, ce personnage. Et là, en forme ultime, je trouve qu'il claque de ouf, avec des mains interchangeables. Tu peux peut-être retirer du plastique pour que les gens voient mieux. Bah franchement, non. J'ai pas envie. Franchement, non. Non, non. On va pas le déballer. Désolé, non. On va pas le déballer. Non, mais s'ils veulent le déballer, on le déballera. Mais... On va le mettre d'ici pour pas qu'ils aient de reflets. Voilà. Puissiez voir sans reflet, c'est ce que on déballe pas parce que c'est collector. Ouais, il est classe. Voilà, c'est fini d'admirer, au revoir. Putain, ça c'est cool. C'est cool, hein. Tu sais qu'on est en Noël bientôt et que. Oui. Voilà. Oui, je sais. Alors. Ah, cool. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais eu l'occasion. Fire Force, c'est un nouveau manga qui est arrivé. Vous avez le prix dessus. Sur des. En une sorte de pompier démoniaque. Oui, c'est le tarif.
Un pompier démoniaque, ça avait l'air mignon. Bah, si tu le lis, tu pourras nous redire dans une prochaine vidéo. Ouais, okay, ça a l'air mignon. Est-ce que ça en montre ou pas? Voilà. C'est aussi pour ça qu'on aime les mangas. Alors ok. Et on a un petit sac. Le de la Japan, je pense. De la Japan Expo. Voilà. Il est mignon. Il est mignon. Sac. C'est sympa. Le sac du soleil levant. Oui. Bah écoute, c'est super cool tout ça. Bah, pas mal. C'est cool. Donc alors, combien t'as coûté cette box? Elle m'a coûté 15 euros. Je sais pas combien coûtait à la Japan Expo, mais là c'était 15 euros. D'accord. C'est pas mal. C'était pas cher. Ouais, c'était pas mal. Rien que la figurine Freezer déjà. À mon avis, ouais. C'est... Puis. Top. Moi j'aime bien. Voilà. T'aimes bien les licornes? Tu veux que je te redise ce que j'ai dit tout à l'heure? Non. Ok. Si vous savez pas, allez voir Freud. Ouais. Freud est un gars sympa. Non, il disait, je pense, beaucoup de conneries des fois aussi. Oui. Du coup, dites-nous en commentaire si vous, vous avez été à la Japan Expo et vous avez acheté la vraie box et ce que vous avez vu, vous, à l'intérieur. Ça nous intéresse. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mmh. On va se battre maintenant pour savoir qui va garder le Golden Freezer. Je pense que je vais gagner parce que je vais taper tellement fort. Et on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait plein de bisous. Ouais. Et on vous dit à une prochaine. Salut. Salut.